Et salut les gamers, salut à tous les amis, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour savoir comment être partenaire avec RPM Nature et comment faire des lives sans être partenaire YouTube. Bon, on va commencer par comment être partenaire Nature avec RPM. Donc déjà vous tapez RPM Nature. Donc on va se retrouver pour une courte vidéo. Donc juste pour vous expliquer, donc vous cliquez sur le petit truc là. Là vous attendez, vous cliquez sur Become Partner. Voilà, hop. Ça. Donc ouais, c'est un petit tuto que vous avez envie de faire là. Donc pour ceux qui veulent faire des lives sans être partenaire. Hey everyone, I'm Ali and welcome to How To YouTube. In this episode, I'm going to talk to you about metadata and what it is. Let's tackle this big guy, metadata. The term itself. Oh, c'est là, voilà. Oui, j'avais coupé la vidéo, puis ça parle encore de nom, voilà. Donc vous avez vu, vous tapez votre nom, comme je l'ai tiens le. Vous tapez, attends, je vais vous le refaire. Donc là, vous tapez votre nom YouTube, donc moi je tape Fumeur Ciga. Ils vont faire une petite analyse pour voir si vous avez les capacités à être partenaire avec RPM Nature. Donc vous faites autoriser l'accès. Vous attendez, hop. Donc là, hop, ils prennent ma page et puis ils regardent si je peux. Et donc ils vont mettre congratulations, donc ça veut dire que je peux. Après, vous avez plus qu'à mettre votre first name, et après, ils vous poseront des petites questions, et vous serez partenaire Nature. Enfin, vous enverrez une petite lettre, comme quoi vous voudrez être partenaire avec RPM Nature. Mais, c'est pas obligé qu'ils vous achètent, même s'il est écrit, il faudra tous les chaînes. Donc voilà ce qui est pour être partenaire avec RPM Nature. Donc maintenant, on va passer par comment faire un petit live. Donc je vais ouvrir une page Google sans être partenaire, parce que si on est partenaire avec RPM Network, donc je vous montre déjà, vous aurez plus de choses ici, enfin vous aurez un peu plus de choses. Donc vous tapez Google Plus, hop, vous cliquez sur Google Plus, voilà, vous attendez. Donc déjà, faut vous inscrire. Si vous n'êtes pas inscrit, faut vous inscrire. Après, vous avez des petits trucs là, vous cliquez sur plus et vous cliquez sur Hangout. Quand vous avez cliqué sur Hangout, vous voyez le petit cadre créer un Hangout, vous cliquez dessus. Faut attendre un petit peu que ça fasse. Je vais oublier de vous dire. Ça va vous mettre un message de télécharger le plugin. Si vous l'avez pas fait, bah, faut le télécharger. Autrement, ça marchera pas. Ok. Donc, rejoindre le Hangout, vous faites. Et vous faites YouTube. Après, à l'ouverture de YouTube. Voilà, vous attendez. Ok, et là vous avez pu vous connecter à votre compte YouTube et à lancer la vidéo. Donc voilà, j'espère que ces petits tutos vous aura plu. Si vous avez des questions, posez-les moi en commentaire et pensez à liker. Et abonnez-vous si vous voulez plus de vidéos, etc. Et donc aussi autre petit sujet. Que je voulais vous dire. Je suis content d'avoir eu mes 150 abonnés et mes 10 000 vues. Et comme vous le voyez, j'ai ouvert une page Twitter et une page Facebook. Donc je vais m'y connecter. Hop. Donc voilà, donc vous pouvez m'envoyer une demande d'amis. Et aussi, sur Twitter, vous pouvez vous abonner, etc. Donc voilà. Allez, bye tout le monde, prenez soin de vous et à la prochaine pour de nouvelles vidéos.